Je crois que je suis en direct. Bonjour à toutes et tous. Alors, attendez, beau bazar pour moi parce qu'en fait, je suis en train de calibrer ma manette pour émuler comment on appelle ça? La Mega Drive. Comment on appelle ça? Le pire, c'est que c'est la deuxième console que j'ai eu, gamin. J'ai eu la chance d'avoir la Game Boy première version et la Mega Drive. Il faut que je configure ma manette. Alors attendez. Le star est là et tac tac, le machin est là. Ok. Ok. Non, on s'en fout, il n'y aura pas de joueur 2. Je joue égoïstement en solo. Alors attendez, new game. Tac. Si je fais pas mon idiot. Ah déjà cette musique. Ça a coupé la zig, dis donc. J'ai coupé la chic au jeu. C'est moche. Quand j'ai changé de plan. Attendez. Je fais un dab. Oh là là, 91, c'est une grosse nique, j'avais même pas. J'allais pas faire le. Parce que Assassin's Creed, j'avais pas assez de tout pour me lâcher, je suis attendre avec télévisé. C'est bon en plus. Si je perds le focus pour écrire dans le chat. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir. Oui, je sais même plus mes propres commandes, c'est pas grave. Ça met en grisé l'émulation du jeu. Et puis, chpouic, ça. Enfin, remarque, si je dois intervenir rapidement dans le chat, c'est pas mal. Je trouve que c'est stylé. Attendez, 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 attendez. Je vais me foutre. Pardon, pour parler poliment, je vais me mettre. Il est 18h. J'ai pas le lien, les présidents, les gaffes, machin. J'oublie pas SDR. Je ferai ça très probablement durant la vocale de ce soir chez FunFan. Je te glisserai en message privé, whoops, discrètement les liens. Mais j'oublie pas. Hein. C'est juste que j'ai fait plein plein de trucs cet après-midi. Et pas que de l'informatique. J'ai un peu bougé mes fesses chez moi pour faire un peu de ménage. Nous avons le plaisir d'accueillir qui de droit arrive ici? Encore une boucle du générique et je me tais, tellement que la musique est belle.
Ah oui. Ah, magnifique. Ah, là c'est mignon, enfin si c'est un pingouin. Ouais, ça va pas tâter les gens. Ouais, ce soir c'est soirée violence. Mec, tu sais bien fou. Option, vous n'avez rien vu. Eh, sans déconner, ça fait des années que j'ai pu jouer, donc hein, bon. Vous allez au bout de l'aventure du 1 et j'enchaînerai sur le 2 après. Allez,
régulièrement. C'était un film. J'ai fait une nuit, un rêve, ça devenait un film. Et c'était trop bien. Le scénario était plus naze, mais niveau action, j'imaginais des trucs qui s'inquiètent. C'est trop bien. J'imaginais les personnes chères en os et tout. Je pourrais pas parler de Peplum, encore plus sûr, on va en faire un Peplum moderne. Ah! Tu fais bien de me le dire, SDR. J'y pense jamais, le son. Si, attends, ça peut se régler. Bouge pas. Attends. Elle est où, la Mega Drive? Ah oui, c'est vrai, ça. Elle est où, la Mega Drive? Attends. Sega Mega Drive. Pourquoi je la vois pas dans les sons? Attends. Il y a un truc qui me... Attends, je vais recharger la balance des sons, là, le mélangeur, parce que il n'est pas à jour. Voilà, il n'est pas à jour. Voilà, je vais mettre à moitié moins, et tu vas me dire si c'est bien ou pas bien. Et bonsoir, Olive. Attendez voir, minute papillon. Je remets mon plein écran, et je retourne dans le jeu, et vous allez me dire que c'est bon. Deuxième niveau. J'ai parti, bonne devine. Alors je te préviens, Olive, tu vas me voir dans ces états de fou furieux. C'est le jeu de mon adolescence. Je l'avais, j'avais 10-12 ans. En fait, il est sorti quand j'avais 9 ans. Et là, j'ai 10 ans ce soir. M'en fous. J'ai 10 ans. Allez, la dé que j'ai déjà. Ta gueule, là, c'est ta gueule dans la cité. Ça parle mal. Tiens, ton coup de collant. C'est ça en plus. Oui. Non. Aïe. Brut de peur. Oh, il y en a dans le chat qui se souviennent de ce soda en canette dans les années 90. Brut de peur! T'avais un beau mec suave, le torse dégoulinant de sueur, qui voulait se rafraîchir là. Hop, il dégainait sa canette. Brut de peur! En gros, c'était du cidre à l'époque, des alcoolisés qui nous demandaient, je crois. Merde, moi, je trouvais ça, c'est bon. J'ai rejoué avec Morbo il n'y a pas longtemps. Oh, sympa! Trop bien! Ça, c'est le bon plan. Alors, qu'est-ce que j'ai joué avec ma frangine, moi? Le plus, là, j'ai joué avec ma frangine. Et j'y ai joué avec mes amis d'enfance. Quand mon papa était invité chez son collègue de boulot. Et en fait, on se retrouvait entre enfants de collègues de boulot. Et on s'est fait des soirées Mega Drive, Game Gear. C'est trop bien. J'ai plein de souvenirs d'enfance à vous raconter. Et le Street of Rage 1, mais je l'ai fait sans déconner. Je me demande si j'ai au compteur. J'en suis pas à 100 parties. Mais terminé, hein, en battant le boss à la fin. Il faudrait revisionner toutes les parties que j'ai faites dans ma vie. Sans déconner, je crois que j'en suis à 100 parties. Pardon, il va falloir que je fasse des petites pauses pour oublier là, parce que... Ah oui, bah je peux prendre maintenant le gigot, vu qu'on n'a pas de santé. Ah oui, c'est chiant, le gigus. Ce qui est bien avec la Mega Drive, c'est que tu peux aisément faire pause quand tu veux. Tu vas essayer de me fouetter la vilaine. Non. Tu vas pas me planter avec tes haches. C'est vrai. Ah, attendez, pause, je vous lis un peu. Le boss allait arriver, je crois. La musique qui était en fondu de fermeture. Alors, je t'entends très peu. Comment ça, vous m'entendez très peu? Tu as joué enfant aussi, d'accord. Alors, c'est mieux, mais voilà, pas assez encore. Non, sérieux?
Alors attends, je vais mettre un cinquième. Ah non, c'est peut-être un peu trop. Un quart, allez, 25%. Ouais, que de souvenirs. Je cope. Que je sache sur ce jeu, ce serait sympa. Avec qui eh, sans déconner, il y aurait moyen de faire en ligne. Et il y a peut-être moyen d'ailleurs, sans que je le sache, à distance, avec les hauts débits aujourd'hui des collections. C'est juste pour prendre l'interprétation d'un signal de manette, donc c'est rien. Il y a peut-être moyen de jouer en ligne, j'ai pas regardé. Et là, j'utilise le véritable émulateur dans Steam. Quand vous achetez le pack de la Sega Mega Drive, avec je sais plus combien de jeux, là, 70 jeux. Et dans le lot, il y a au moins les deux premiers Street of Rage. Je sais pas s'il y a le 3 dedans, j'ai un doute. Mais il y a les deux premiers. Oui, il y a de l'écho parce que l'imbécile que je suis a laissé en plein volume les deux télés en plus. Donc, c'est pas très malin. Attendez, je vais faire des réglages pour que vous ayez moins d'écho. Ou alors, ce que je peux faire. Attendez voir. Ce que je peux éventuellement faire. On va faire une expérience. Je vais foutre ma sortie brute, moi. Ouais, vous allez dire que vous n'allez peut-être rien entendre. Non, c'est dangereux. C'est une fausse bonne idée. Je renonce. J'allais foutre la sortie de mon son PC dans mes oreillettes, mais c'est une fausse bonne idée. Parce que c'est un coup, est-ce que mon OBS ne capte plus le son de l'ordi et vous aurez plus le son du jeu? Et juste ma voix, ce qui serait très con. Sauf que là, j'entends quasiment plus le jeu. Ça va pas le faire non plus. Faut quand même que j'entende le jeu. Ah! Mais c'est normal qu'il y ait de l'écho. Je suis en pleine rue. Le mec, il dit n'importe quoi. Prêt à justifier les conditions techniques de son direct. Ah oui, je suis au Stade de France. Aïe, mais arrête de me patater, saligaud. Police, je me fais agresser. Ah mon Dieu. De quoi, t'en penses quoi, de quoi? Oui, ça va? Oui, bah je pense qu'Olive, elle trouve que le réglage est bon. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc encore qui va pas. Il est bien le. Ah! Petit message de mon copain FunFan sous Prout Prout, sous Prout Prout Discord. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait grand sourire, il est heureux. Bon bah c'est bien. Eh bien, tout le monde est content. Ah la plage, j'avais oublié. Merde! Putain, je me suis trompé de bouton. Je voulais pas tâter la pile de feu, j'ai appelé la police, moi. Oh merde, stratégiquement c'est mal joué. Ouais, c'est cool que. Bah merci à vous, au moins c'est bien, je fais les bons réglages pour que tout le monde en profite. Mais. Et il va se passer des trucs bizarres. Comme je regarde en plein écran le retour vidéo que je vous envoie, parfois avec les smileys qui passent sur la zone de jeu, d'avoir le smiley à coller à un personnage, ça fait flipper. Mais ma version de. Sort 1, Sort 1, Split of Rage et hacké. C'est tous les persos d'origine. Merci Smiley, ça fait bizarre. Non! Oh, allez, faut que je me concentre un peu parce que je fais de la mise. J'arrête mes abris. Allez, viens chier. Maintenant, je donne une correction. Un bon salaire. Treizième mois à ramasser sur la plage. Non, je vais m'appuyer. J'ai pas l'air. Hey, j'ai joué vachement bien quand j'étais ado. À force de faire quasiment une partie tous les samedis soirs, mais c'était digne d'un entraînement d'athlète. Et sans le savoir, je pense qu'à l'époque, on pouvait dire que je faisais du speedrun. Qu'à répétition, à faire ça tous les samedis, ou presque. Non, sans déconner,
je dois être vraiment à 100 parties. Hop là, la jolie pile. Ah ah, c'est toujours marrant ça. Allez la vilaine. Hop là. Vu comment t'es soigné, t'as mis la plage, t'as mis le milieu à queue. Ça parle mal. Ah, j'ai eu un s'approcher de moi dans mon dos. Son piqué avec sa lame. Allez, de tête. Ah, c'est... ah non, j'allais dire c'est déjà le boss. Là, je voyais le. Ça avance plus. Ah, les trucs qui tout, c'est magique. Merde, je suis sur le point de perdre une vie là. Je suis gaffe. Ah ah ah, la vilaine. Ah! The big boss. C'est le catcher, je crois. C'est le catcher! Oups. Oups. Les méchants en armure flashy. Bah, pas lui, c'est je t'avoue. Les méchants en armure flashy, on leur donnait des noms de glace tellement les couleurs étaient insane. Avec tes grands yeux. Ouais. Et du genre framboise. Et le parfum. Eh, pas mal. Oh. Ah. Mais ah non, c'est ce qu'il faut faire. Avec les jeux, on sera tapé sur les. On va faire un beau tournoi acrobatique. Ouais. J'ai gagné. Je vais vous raconter une anecdote de vie personnelle. Mais en émettant une réserve, c'est-à-dire que j'en suis pas sûr à 100%, mais le copain chez qui j'allais, enfin bref, je vous disais que j'y jouais souvent le samedi soir chez un collègue de boulot de mon papa qui était un bon ami et qui avait des enfants du même âge que moi. Et l'intéressé avait un fiston, je peux le dire, je peux nommer Franck. Je crois savoir, de mémoire des conversations nombreuses que j'ai eues avec lui, que ça a en partie éveillé en lui sa vocation de policier. Il est devenu policier aujourd'hui. Et le jeu Street of Rage, j'ai souvenir que ça a contribué à son envie de faire ça en vrai en fait. Enfin, pas l'idée de pas taper les gens en pleine rue, que. Mais bon. Voilà. Ah ouais, que de souvenirs. Ah ouais, c'est un jeu culte. Tut strike. Ah, j'ai cru que le deuxième allait tomber aussi. Il était pas assez proche du précipice. Non, je te vois venir, frère. Oui. Je te prends pas la tête. Oh, la oh, je t'ai kické. Ouais, je cule. Oh, aiguille. Attention, on va choper. Et hop, retourner. Retourner, acrobatique. Oh, tout est bon, moi. Là, au moins, il n'y a pas à communiquer quand tu es à deux joueurs, donc tu dois te partager les ressources. En solo, on se pose pas de questions. Encore que, on se pose parfois la question de quand on prend stratégiquement au bon moment. Voilà, je me suis réceptionné. Flèche du haut et touche trop.
Ah merde, j'ai cru que l'animation allait m'empêcher de me faire dégommer. Merde. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, là par exemple ça a marché. J'ai réussi à feinter la... le jeu. Bonsoir Edgy Club. Oh, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sur ma chaîne. Enfin longtemps, j'exagère. On va dire longtemps en heures cumulées. J'espère que tu vas bien mon cher Jay. Tiens, alors là par contre, comme t'es le genou, que t'es Benjamin de l'équipe Jay, j'ai hâte de savoir si tu connais ce jeu, Street of Rage, qui a bercé nos adolescences, je dis nous parce que on est plusieurs à en faire le constat dans le chat. Merde. Ah, je vais remettre ses couteaux. Il est tout à l'aide. Il est tout à l'aide. Oh oui, j'en ai griffé, pour pas dire poignardé dedans. Il est. Oh, c'est déjà le boss. Ah oui, c'est le cracheur de feu sur nous. Oups. Police. Il m'a allumé le vilain. Ouais, ça va très bien, c'est cool. Bonsoir, Tunsen. Oh, t'as joué à toute cette trilogie. Bien. Très bien, t'as de bonnes références, Jay. Bravo. Oups. Ah, l'intéressé du nickel, c'est de lui couper une souffle. Merde. Merde. Oh. Ah, ils sont loin, les bons réflexes. Je viens de finir, j'ai eu mon vendredi. C'est bien, tu une scène. Oh, c'est cool. Ah bah, je suis ravi pour toi. Youpi. Même madame, il saute de joie. Oh, c'est cool, tu une scène. Oh, tu vas pouvoir souffler. Bah, c'est bien, du coup, ça te fait 72 heures de repos, là. C'est très bien. Déjà niveau 5. Oh, je vois pas les niveaux défilés. Ouais, demain c'est la journée xénotique. C'est ça. Bah, tout... Merde. On voit que je suis plus habitué à le coup de la police, moi. Enfin bon, c'est pas perdu là, il y avait au moins du monde. Oui, oui, demain c'est le FPS qu'on va faire en commun en papotant avec. On va déjà pas papoter ce soir avec Funfan à partir de 21h. D'ailleurs, faut que je regarde mon horloge parce que je suis capable de pas avoir le temps de filer et d'oublier de faire le relais de chaîne à 21h. Vous imaginez la fond. Le pauvre fan, il mérite pas ça. Alors voilà. Je parlais de la stratégie de quand ramasser quoi et à quel moment. Voilà, bah tiens. Me fait bêtement patater en plus, bon bah moi c'est... Voilà, Hachoum, moi je mange et paf paf. Voilà, ça c'est un bon enchaînement. Avec l'armure et tout. Peut-être dans le 2 et 3, je sais plus. Le 2 et 3, j'ai pas beaucoup joué. Je vous en reparlerai quand on jouera au 2 là tout à l'heure. Mais non, c'est surtout le 1 que j'ai poncé pendant des années. C'est vraiment le jeu de mon adolescence. Non. Il a failli me voir le saligo. Venez par là. Joue peut-être tous. Bande de vilains. Ah, tu parles de Wings and Kicks, le FPS. Ça ressemble à Doom. Bah c'est basé sur le moteur de Quake. Je sais plus quelle version. Funfan te parlerait mieux de ça que moi. Oh, ça fait bien. Putain, le gigot, il m'a sauvé d'une vie. Une vie de... Yeah. Thank you.
Julien Marceau. Le poulet, le poulet. La moelle fut-elle de nous. Merde, je me disais bien que le temps que je me retourne. Alors, le boss. Oh! The Batcher! Ouais! Là, j'ai une garde. Oups. Wouh! Il est en train honteusement de me patater. Merde. Oh là là, faut vite ressauter, la vache. La vitesse à laquelle il se relève, ça gagne. Bon, c'est bien. Oula, 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 ils sont nombreux. Ah! Voilà. Bien m'essouffler. Ah, bah, il y a une police offerte. Allez. Une police offerte. Allez, un trop de police, j'en ai marre. Allez, balaye-moi tout ça. Ça, même le décor de fond était magnifique. Ça, c'était... Mais ça chaîne. C'est chez l'œuf, ce jeu. Tiens, c'est la première fois que je vois mes notifications Steam défiler sur l'écran secondaire et pas principal. Alors je sais pas comment j'ai réalisé cette quest. Oh, j'ai la voisine qui est en train de rentrer là, elle fait un bazar dans son garage. Ah oui, mon dieu. Les chambres des sœurs, j'ai mal la nez sous le signe des gémeaux. Ah oui. L'idéal c'est d'en repérer une, de ne pas la quitter du regard pour bien la fracasser. Et une fois qu'on a plus qu'une, c'est déjà beaucoup plus facile. En fait, c'est la paire qui fait des dégâts. Ah! Me mettre une correction. Je suis mauvais. Tiens, oh, je l'ai calmé, vilaine. Aïe 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 aïe. Ah, il est loin le temps où je jouais bien. Ah! J'ai cru que je l'avais. Oh, les animations elles sont excellentes. Oula!
l'impression de participer au tournage d'un clip de rap là. Ma chorégraphie, elle voulait rien dire. Ah, elles m'ont tenu en respect, hein, les demoiselles. L'usine et les compresseurs. Les terribles compresseurs. Et les tapis roulants. Tellement drôle. La condition de parvenir à garder l'avantage. D'ailleurs, je suis en train de nous dire, mais je suis surpris que dans le monde de la communauté du livre et du jeu vidéo, il n'y en ait pas certains qui essayaient de faire leur propre beat and roll, c'est-à-dire à patater les tous du même genre. Parce que en licence du même genre, je ne vais pas dire célèbre, mais de qualité, il y a Double Dragon, dont j'ai fait que le premier, je crois. Il y en a un autre là, que j'ai découvert récemment là sur la vidéo sur lequel les Ligue des Noms justement par Joueur du Dragon que je connaissais pas, que je m'y intéresse. Mais dans la communauté du libre et du gratuit là, ce serait pas mal qu'il y en ait qui fassent ça. Bonsoir Bob Mambla. Pardon. Bonsoir Bob Morlock. J'espère que tu vas bien. Oh, je dis, faut faire attention au compresseur et je me coltine. Allez, je vais jouer mon Joker Police parce que sinon je vais le perdre bêtement. Ah, voilà, hop, ça tord. Je disais, il est loin le temps où je jouais bien. Là, parce que je suis en train de me couper la circulation des seins au niveau des pieds. Alors lui, il y avait une astuce, c'était de le lâcher momentanément et d'enchaîner les combos de coups de poing. Il faut surtout pas essayer de faire un crochet de japonaise en le portant. J'illustre mon propos. Voilà, il y avait ça à faire. Je suis pas exprès mon pauvre Bob, mais j'ai peur que je te le fasse accidentellement encore pas mal de fois. Oh, t'as que ça là, ne me rassure pas du tout. Ah oui, la batte de baseball. Ah, mais non, je voulais jouer avec la batte de baseball, vous êtes nul. Allez, va te jouer. Ah, de merde. Ah non, je vais revenir. Du bon usage du tapis roulant. La suite. Allez, la tune. Je vais me couper de tape en jeu. Oh bah, vous êtes des
Ah, elle m'a fouetté. La grognasse. Allez, c'est quoi? Je peux le dire. J'ai galvaudé aujourd'hui, ce gourmand. Ça passe. Comme une lettre à la bouche. Merde. Ah, j'étais pas sur le bon plan. On s'en fout du nom. Je sais même pas comment on le met. Allez, M. Oui, continue. Oh, bah non, j'ai pas fait game over par accident. Mais... Aïe. Je ne connais plus, j'ai plus les bons réflexes. C'est vrai que le fait de dessiner toutes les animations, c'est genre quand même que c'est du taf. Je pense, sans déconner, dans la communauté du livre et du gratos, il y a quelque chose à faire. Allez, j'ai des bonus police. Alors, un gang de Marlène Schiappa blonde. Nouvelle mesure contre le harcèlement de rue, le fouet. Oh mon dieu. Oh non. Ah. Alors que j'avais fait un saut, j'ai pas pu éviter le compresseur. C'est terrible ça. On l'a fini, non? Ouh, ils vont me poser problème, je le sens. Oh, elle est bonne celle-là. On va la suite. Mais quelle nunuche. C'est incroyable. Oh, ah bah j'ai perdu ma police, mince. Bien fait pour ma tronche. Et puis celui qui croyait prendre. Tiens, deux compresseurs, allez vas-y, essaye de passer ça. Y'a pas un truc comme ça dans le 2 ou dans le 3 où il y a une histoire de chariot ou de mine ou je sais pas quoi qui peut esquiver. Je crois que c'est dans un des épisodes suivants, y'a un truc du même genre. Le boss ici. Oh, les frères. Oh, ah, c'est terrible quoi, pour ça. Ah, j'ai pas le temps de prendre de l'élan pour sauter et l'achever. Ouh. Bah en parlant des musiques, tout en jouant, ça me trottait dans la tête de me dire, alors c'est des musiques déposées par Sega ou les sociétés développeuses, mais
Je serais curieux de savoir comment va réagir YouTube quand je vais déposer ce direct en archive sur ma chaîne YouTube. Voir s'ils me disent si la musique de la Mega Drive est protégée, revendiquée, en réclamation, je sais pas quoi. Parce que, en fonction de ce qui réagit ou pas, je serais plus tenté de shipper certaines musiques pour m'en servir comme habillage. Enfin, je m'avance peut-être beaucoup, mais rien que le fait de voir comment YouTube va réagir au niveau des droits musicaux pour les vieilles consoles 16 bits, ça m'intéresse de voir ce qu'il en est. Alors si tu t'apprêtes par une prise d'art martial à te faire éjecter hors du balcon, c'est là où de rage tu appuies sur le bouton police et tu te venges même avant de passer au-delà de la rambarde. Y'a pas de raison que ça passe pas, les musiques sont originales au jeu, ça pose pas de problème, il me semble. Bah, je vais l'apprendre par moi-même en fait. Et puis à l'occasion, je vous en dirai ce qu'il en est. Ce sera l'occasion pour moi, une occasion de plus de faire mon bavard en direct. J'ai mal géré ma combinaison de touches. Voilà, j'emmène pas mal de monde par-dessus bord là. Ah non, là ils sont prêts pour les polices parce que... Ah bah, j'étais à la fin de ma vie. La barre est blanche. J'ai bien fait d'appuyer. Ah là là. Elles sont de Yuzo Kojiro. Si ma mémoire est bonne. Probablement, je peux pas dire du coup. Mais la compo est extra... Ouais, ça fait très pop, synthé... ouais, c'est propre au Japon. C'est cool. C'est vraiment une ambiance. Il est bien bon SDR. Oh, j'ai gagné une vie par le score. J'ai fait 50 000 points, bien entendu. Ah, on m'a fouetté la vie. En profiter au dernier niveau, on enchaîne tous les boss évidemment. Il y aura pas la police dans les locaux des villes. C'est marrant, pour moi la musique c'est de la pure Eurodance surtout qu'il y a eu des réinterprétations depuis. Et puis tu penses bien qu'une musique aussi classe, elle est jouée en vrai en concert. Tu trouves facilement des vidéos sur internet où il y a des concerts. T'as des réinterprétations de ces œuvres-là, des musiques 16-bit, c'est magique. S'il y a un site que vous connaissez pas, attendez, je vais faire pause. Ça, j'en parle de temps à autre. Mince, il faut que je réussisse ma saisie, moi. C'est un site qui propose des musiques réinterprétées de jeux vidéo. Bah, pourquoi ça a pas marché ma commande? C'est aussi remix normalement le. Ou alors j'ai eu un bug. Attendez. Pause. Excusez-moi. Bah.
J'ai un doute sur la commande. C'est OC Remix. Non, c'est pas ça. Où j'ai tapé la... Mince, qu'est-ce que j'écris, moi? Oh là 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 là. Je me concentre 2 minutes sur ma saisie. Non plus, je sais plus. Ou alors c'est Remix ou Mix. Je me rappelle même plus de mes propres commandes. Bref, vous allez sur ocremix.org. Voilà, je vous le mets en brut. Et si ma mémoire me trahit pas, vous avez en fait des réinterprétations des musiques célèbres des jeux vidéo ou moins célèbres en version moderne. Et d'ailleurs, je sais plus, j'ai un exemple de dingue, faut bien chercher. Vous avez une musique de console du genre Mega Drive ou Super NES qui a été réinterprétée en musique classique. Et c'est à tomber, c'est magnifique. Ça donne de l'ampleur, du volume, si je puis dire, à la générique. C'est super. Et il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a des interprétations techno, rock. Il faut vraiment flâner sur le. Vous pouvez passer des heures à flâner sur le site. D'ailleurs, je crois même qu'ils émettent avec une web radio où ils font tourner au hasard en boucle toutes les musiques déposées sur leur serveur. Non, ça vaut le coup de leur prendre chez moi. Mais là, je suis frustré que ma commande instinctivement n'ait pas marché. C'est bizarre. Ou alors, c'est moi qui ai encore un énième de mémoire. Ou alors, c'est Voicebot qui m'a. On va valider la commande, c'est bizarre. On va mettre le Voicebot. Les good vibes, c'est ça, les bonnes ondes. Hop là. Ah ouais, ce qui est vachement bien aussi dans le décor de fond du dernier niveau là, c'est le, on voit la nuit et le jour qui passent par la fenêtre au fur et à mesure qu'on avance. Ça c'est extra. Au niveau de l'immersion, c'est trop bien. Et le mec qui se bat pendant 24 heures durant jusqu'à épuisement. C'est trop bien. Aou. Hop là. Oh ouais, j'ai bien enchaîné. Pas mal. Et un petit peu, j'ai un petit peu de bon réflexe qui revient. Oh, j'ai vu le bon portrait de Minette passer sous mes yeux. Yeah. Oups, merde, tu me laisses distraire par Minette. Ouais, première lueur de l'aube sur la ville. Oula, monsieur Griffe. J'aime bien les émoticônes qui me passent sous les yeux. C'est, ah, Bob Morlock. Ah ouais, pardon, t'as une très belle collection d'émoticônes, Bob. Très classe. Merci de nous en faire profiter. Les démons de minuit. Oups. Allez, joue. Allez. Après quoi, passez-moi le sel. Allez avoir du sel chez vous. Ça va me donner mieux. Merde.
Allez, le Tortue Ninja de New Villain. Oh, t'as peur, tu trembles, tu recules. Oh, le beau tigre. Je gagate à chaque fois que je vois le beau tigre de chez SDR. Le tigre rouge, il est... D'ailleurs, le tigre est tellement beau que je vais peut-être essayer moi, de me dessiner une face de tigre façon Gartiphone, alors pas à main levée mais à semi-levée, dirais-je. Et si je suis pas trop mécontent du résultat, je me le mettrai de côté pour la proposer plus tard. Si j'arrive pas à la glisser en icône Twitch, au minimum je vais mettre en icône Discord. Parce qu'apparemment Discord c'est limité. Oh bah non, j'ai loupé le lancer de poids là. Nul le mec. Allez, tiens, prends ton couteau. Hop là, vas-y, c'est ça, tout le monde. Merde, j'ai mangé la pomme, hein, j'étais en pleine forme. Le mec, il a rien capté. Ah, le ciel, il est bon, tu crois. Allez, appuie sur la tête. Oh, parce que tel est mon plaisir. Oups, oups, j'aurais dû me mettre en position. Et c'est l'heure de la punition. Ah oui, la double en plus. Eh oh, il a fini de m'allumer là, monsieur Soumon. Mais non, il a pas fini. Mais il va me buter en sans que j'ai donné un coup. Ah. Alors, voilà l'astuce. Merde, il fallait pas que je lâche. L'astuce, elle était là. Je l'avais retrouvée. Ces deux coups, je le lâche, je le reprends. Et en fait, on peut faire un perfect assez facilement en fait. Quand on connaît la recette. Merdoum! Je suis mauvais. Non, faut pas le porter. On peut le dire. Je fais pas le poids. Chante tes abdos. Toi, tu travailles tes abdos. C'est moi, fais régime. Bonne idée. Coucou la dame au fouet. Oula. Oui. En fait, on peut tout résumer par oula. Et votre service, madame est servie. On peut le dire. Bon, c'est pas vrai, ne me dites pas qu'à cette heure-ci. Incroyable! Mon téléphone sonne encore aujourd'hui à 7h pour un appel indésirable dit commercial. Mais quelle époque de fou! Hallucinant. Et après, il y en a qui s'étonnent qui, entre Noël et Nouvel An, qui désactivent leur téléphone. Mais je leur donne complètement raison. Harcèlement gratuit, non, c'est la peine. Laissez-nous en faire. On est dans la période dite de la trêve des confiseurs. C'est historique. Et tout à chacun alors un peu de repos. Pas, non. Ouah, c'est quoi ce déluge d'icônes? Je vais devenir fou. Doucement, s'il vous plaît. Tu vas avoir du mal. Oh là, il y a des icônes pas traitées et qui passent en carré noir, noir vert. Il va falloir payer plus cher. Là. On arrive déjà à la salle du boss. Enfin, je sais que je vais devoir marcottiner les sœurs jumelles là. Les sourcils des mots. Bah, les blagues. Là, j'ai pas la police. Là, il va falloir que je... Pas mal. Là, l'enchaînement, il était beau. Là. Attendez, je me concentre. Je vous lirai à pleurer avec plaisir, mais là... Là, je voudrais pas perdre trop de continuer. PLS, ouais. J'aimerais bien les voir en PLS, les demoiselles.
Non, Sherlock, m'en fous. Ah. Voilà, c'était mon dernier cri de vie, c'était ah. On se souviendra de moi comme ça. Dans la douleur. Oh, comment qu'elle a dégusté mon coude. Ah, karaté kid, karaté kid. Je dis n'importe quoi. Oui! Oui! Ah oui, l'enchaînement était beau, était noble. Et c'est la sœur qui me réceptionne en plus, alors que j'étais parvenu à me remettre. D'accord. Non, oui, pas du tout. Concentration. Oh non! Je t'ai vu venir, vilaine! Il y en a pas une qui va prendre sa retraite là. Ouch, ça m'a fait mal. Ah, j'avais espoir que ce soit elle qui clignote, pas moi. Je pensais pas qu'elle aurait la portée. Promis, je vous lis après ce combat de tout furieux. Avant le grand combat final. Merde, mais oh. Elles sont en train de m'entamer méchant, quoi. Non ! J'étais en pleine discussion avec ta congine. Ça se fait pas, voyons. Zoom. Non. Petite peste. Non. Ce mouvement n'était pas légal. J'ai pu être touché. L'heure passe, 19h. Merde, non, je l'avais. Elles sont dangereuses quand elles sont séparées, les deux là. Vaut mieux les avoir en grappe. Ah. Il y a une époque, sans déconner, je pouvais les maîtriser quasiment à perfection, sans prendre un dégât. Mais cette époque qui est révolue. Non. Je vais y passer tous mes continus. Non, ça craint pour la fin. Oh, vous allez voir que je vais merder la fin. C'est pas grave, hein, on enchaînera sur le 2. Mais ce serait dommage, quoi. Ah, j'aurais aimé avoir un continu face au grand boss. Mais non. Beaucoup de boubou. Ah, la misère. Ah ouais, non mais elle me met la misère. Le problème de sauter comme un sagouin, c'est que enfin, j'en ai eu une. À partir de là, ça devrait aller mieux. Je pensais pas être à portée. Rien à faire. C'est bien calculé. En fait, faut que je me recule quand elle fait le saut là.
vous allez voir, je vais arriver même pas devant le boss. Ah si. Oh, pardon. Attendez, je vais faire pause quand il y a le boss. Voilà, là c'est classe. Vous allez pouvoir l'admirer, vous n'allez pas le voir longtemps. Alors, que je vous lise un peu. Oh, Mazette, vous avez été généreux en... Alors, attendez. Ah oui, attention aux émoticônes. Ouais, tu une scène, faut pas trop en mettre. Eux font pas la trêve des cons finis, faut quoi. Tac, 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 tac. Ah, les sœurs Hidalgo. Oh, t'es très inspiré, Bob. Oui, courage, oui, on y croit. Elle chope en une... Oui, en une image. Ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est ce qui fait tout le charme de l'œuvre. Oui, merci pour le GG. Moi, je ne mérite pas vraiment, là. Oui, alors, il va essayer de me corrompre, forcément. Si je dis oui, on retourne au niveau 6, je crois, dans l'usine. Il y a une trappe. Non. Je lui fais un joli coup de l'honneur. Bonsoir Bob. Dragon Sky, pardon. Et c'est sur cette énorme erreur que je perds. C'est pas grave. Bon, au moins on aura vu le boss de fin, mais j'aurais pas pataté, tant pis. Bon, on va passer aux deux. Là. Et voilà. Honteusement, je perds en easy, ça m'était pas arrivé depuis des années. Hein. Mais je le referai prochainement en easy, et puis je vais essayer de gagner contre le boss final. Mais il faut que je réapprenne ce qu'on appelle le pattern, les combinaisons. Genre, on remet la musique. Des sœurs là, elles sont terribles les sœurs. Bonsoir Dragon Sky, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Fun Fan. Vous êtes arrivés ensemble. À la musique. Eh ben, c'était cool. Alors, que je vous fasse ça comme un pro. Je vais vous remettre ma tronche en plein écran. Le temps de nommer une autre catégorie, le 2, de lancer le 2. Attendez. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors déjà le titre, je vais le changer, hop, ça va être facile, le 1 va se transformer en 2, première chose, hop, je vais rapidement lancer le navigateur pour lui dire, qu'on va déclarer, tac, hop là, je mets, ça là-dedans. Alors, tuk, info du direct, Street of Rage 2. Merde, mon opéra a crashé.
J'ai même pas le temps de changer la catégorie, il me l'a craché. D'ailleurs, ce qui m'inquiète... Ah oui, j'allais dire, je voyais l'OBS qui se figeait. Non, ça va, on est toujours en direct. Oui, c'est pas grave, sinon je le fais en ligne. Alors normalement, c'est censé fonctionner. Street of Rage 2. Normalement, ça devrait passer, là. Voilà, set game, Street of Rage 2. Mais j'ai pas l'impression que la commande fonctionne bien. Attendez voir. Copier. Hop. Faut peut-être que je mette entre guillemets le 2. Mais ça va. Par erreur, je mettais le 3 moi. Ça passe ou ça casse comme ça? Bon, Krotum, c'est du Street of Rage, hein. Le set game avait qu'à fonctionner. Touk. Pouk. Voilà. Tiens, d'ailleurs. Attendez. Je vous laisse défiler le truc. Je vais faire un test en même temps sur ma... Je vous laisse le générique. Je vais faire un test sur ma tablette avec Cybermatou, mon compte secondaire, pour voir si je peux pas forcer la reconnaissance en catégorie. On va voir si ça marche. Tu as parlé technique. J'ai dit, je comprenais pas la réponse de Bob. Ouais. PLS. Oui, Bob Morlock, Blaise aime la lambada. Il faut aller voir l'excellente vidéo du joueur du grenier qu'il a fait récemment, qui est à mourir de rire. J'ai explosé de rire. C'est génial. C'est très très bien. Le 2, par contre, j'y ai peu joué et j'ai découvert assez récemment le 2. Hein. Je l'ai découvert sans déconner. J'ai dû découvrir un ou deux ans avant le décès de mon papa, donc ça fait il y a 4 ans grand maximum. Et ça a été une heureuse découverte, parce que j'avais fait que le 1 pendant toute mon adolescence. Hein. Et j'ai découvert le 2 et le 3 à la suite en fait. Bah la tablette qui souffre, ouais, c'est la tablette en souffrance parce qu'elle est âgée. Elle a 15 gigas de mémoire embarquée. Et rien que Discord en bouffe plus de la moitié, donc sachant que derrière je laisse en arrière-plan Twitch aussi, bah elle est en PLS tout le temps quoi. Alors attendez voir, je vais faire le test, pardon, parce que c'est très intéressant, c'est cette game. Je veux voir comment Twitch réagit. Bot et la commande set game, on est bien d'accord là, on dirait que vous me voyez encore en catégorie déclarée sous le 1, enfin sous le 2. Attendez, je refais un essai rapide. J'espère que je vais pas tout faire cracher. Ouais, tu me confirmes.
Attends, j'essaye rapidement, mais... Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop là. Hop là. Ah! Je crois que j'ai eu le temps. J'ai fait un truc tellement éclair. Voilà! Là, il me dit que c'est en nouvelle catégorie. J'ai réussi mon coup. Et ben voilà. C'est bon. Merci. Je sais pas pourquoi mon navigateur a fait son caca nerveux au démarrage et a craché. Ouais, je le vois même sur la tablette. C'est bon, je suis rassuré. Là, je suis dans les clous, hein. Je respecte les règles de Twitch. Pardon. J'ai très légèrement décalé la fenêtre. Et ça fait un remix de cri. Ouh. Ah, celui-là, je le connais mal. J'espère que je vais pas être trop mauvais. Bah alors, déjà, comment je sélectionne mon... Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Ah, je me sens mieux. Ah oui, il y a le petit jeune en patin à roulettes. Et Max aussi, ouais. Ah bah j'ai bien fait d'incarner le Adam au début. Ah oui, dans le scénario, je m'en souviens, ça y est. Pourquoi il n'y a pas Adam? Parce que du coup, on va aller... Allez, on fait la demoiselle. Allez, on fait la demoiselle. Avec leur manteau, on dirait des exhibitionnistes qui s'apprêtent à... Voilà. Tout est vicieux bien sûr. Oula. Ah bien. Je me souviens plus qu'il y avait ce genre d'animation. Ça c'est bien pensé. Oh. Oh, le sac bois. On a planté. Nul. Oh, je suis nul. Ça fait peur. Petit blouse. Je sais plus, il y a la police ici. On n'a pas la police dans le dos, je crois. Non, c'était pas pour moi. Ah, je crois qu'il y a des enchaînements plus spéciaux dans le dos. Ça, c'est des trucs que je suis loin de maîtriser. Je crois, je sais. Oh là 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 là, mais le mec au... Oh. Sky qui bataille avec son internet, ouais. Ah c'est chiant ça.
d'autant plus frustrant, comme je disais ce matin, quand t'es en période de fête et que t'es censé être relax. Et ce genre de temps, c'est un cauchemar. Ouais, c'est terrible. Oh, je lis, je sais pas comment j'ai... Oh là là, je sais même pas comment j'ai déclenché ce coup, mais... Piano, il est au premier plan. Hop là. Ah, le saligo là de. Oh là 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 là. Le patateur de l'Europe de l'Est là. C'est rigolo. Ah, oh, son bord de l'écran, je. C'est moi, j'ai pas l'air faire. Allez, viens, vilain, viens, viens, viens. Oh, viens, des coups, viens, des coups, viens, des coups. Merde, oh, j'ai merdé ma réception. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas accepté. Merde. Oh, j'ai bien envie. Oh, je lis cette parade. Comment qu'il part du coup de... Personne n'y avait pensé, il fallait que je le fasse. Voilà, je suis désolé. Plutôt à mon avantage. Je ne m'en
comprendrais pas. Ah merde, les gars. C'est ridicule de se faire voir par la propre vie. C'est bien. Oh là 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 là, mais ils sont si très particuliers là, faut arrêter. Donc des motards. Ah. Oh. Oh oh oh, cette mandale. Bah, j'ai pas eu le temps de profiter des tonneaux. Ils auraient pu me laisser le temps de monter dans le camion. Un peu plus vite, là, j'ai en train de me mettre une. Non, en fait, dans l'animation, ils sont pas en avant, en fait. Mais il y a des moments où j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui est pas s'exhiber à voir son manteau large. Ça me fait bizarre. Elle me perturbe. Pas l'animation en elle-même, mais l'illustration, en fait. Mince, je suis en pleine vie et je bouffe le... Oh non, pas lui. Oh, lui, il est chiant, le mec en fusée dorsale. Là. Oh non. Merde, pardon. J'ai mal tenu ma main pendant. Pas me faire, mais il est en train de mettre comme une lesser jumelle, une correction, et j'arrive pas à lui rendre. Lui, je l'aimais pas. Comment je fais pour pas péter celui-là? Je l'ai à peine entamé. En plus, on est chronométré. Oh non! Ah! Ce serait comme ça que je l'aurais? Ah ouais! Ok, bon bah je retiens la méthode. Oula, un joli pavé de la part de Bob, que je me ferai une voix de lire une fois que je l'aurai pas tapé celui-là. Hop, par les techniques. Ah, le 16 bits était inscrit sur la console Mega Drive. C'était écrit ce qu'elle veut dire blanc sur noir. Merde. Ah, j'avais pas vu.
Le détail qui tue, la lumière là qui bouge quand je me prends une explosion au sol. Oh, ça fait vachement réaliste. Mais oh là là. Allez, qu'on en puisse. Merci. Le pire, c'est que plus tard, je crois qu'il y en aura deux à un moment. Oh là là. Pardon de ma piètre démonstration, mais bon, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Oui, merci Dragon Sky, mais le GG est pas vraiment mérité là. Là, je suis pas fier. Merci, c'est gentil. Prends ça pour les encouragements. J'ai vu, c'est un parc d'attraction, ça. Ah, Bark Knuckle, c'est le nom original du jeu au Japon. Alors que nous, on le connaît sous ce jeu. Ouais, les japonais l'appellent Bark Knuckle, je sais plus quoi. Ah oui, je crois qu'il y a le choix des chemins en plus, je vais prendre pas d'étage, mais je suis pas obligé. Mais c'est super marrant. Ah non, c'est imposé, t'as pas le choix. Pirates. On va chez les Tibiac. Sous le choc, Bob. Mon dieu, une technologie de processeur de console. Le bateau. Hop, on est sauté. Elle a carrément sauté de l'attraction. Allez, un petit saut de 50 mètres, ça bouge pas les jambes tout la merde. C'est important. Monsieur Léanet.
Ah non, c'est le boss what the fuck. Ah oui, alors ça, cette phrase-là, j'ai jamais comprise. Il y a le coup de la tête du dragon robot qui sort du mur, là, je sais pas si on a trop protégé. C'est complètement délire. Ah oui, ça peut être des fous. Allez, ça peut être. C'est un peu bien en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, des je peux pas lire le truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a que qu'en sautant que j'arrive à la voir. Par contre, le retour, c'est comme un petit peu. Ça fait mal. Oh là. Ah, oups. Voilà. C'était même pas le boss. C'est dire à quel point ce truc m'a marqué. Ah, le petit frère de Wolfenstein. Mon dieu. Oh là là, c'était quoi cette téléportation? Le mouvement. Il fait usage des mouvements interdits. Il a une école secrète d'arts martiaux. C'est ça. Oh, il est très bien ce dessin. Oh, il m'a stoppé net dans mon saut avec le pion de main. Ah merde, je fais de la mouille. Oh, cette attaque. Même l'attaque, elle est pas autorisée. On sent qu'ils nous ont mis un peu tout dans ce jeu parce que c'est stylé, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bon, lire les trucs, il y a le bus qui est 32 000 machin, donc pas du tout, c'est pas connu. Non, mais il faut que j'oublie mon cerveau, machin. J'aurais dit pareil que moi, je comprends quand même la vie. Merde, j'ai merdé la réception, j'ai réagi trop tardivement, je me suis laissé surprendre. Le coup, ils dorment sur les bancs. On peut pas dire qu'ils font un zèbre parce que c'est fini. Mais le coup de qui sonne sur le banc, je trouve ça rigolo. C'est bien pensé. Like a boo.
Dis donc, il n'y aurait pas un lien avec Fort Boyard là? Ça aurait pas inspiré. Je trouve ça bizarre qu'il y a un It's Like Me. Investigation, Fun Fact, s'il vous plaît. Est-ce que ça vient là le nom des persos dans Fort Boyard dans le catcher? Je trouve ça bizarre. Message de FunFan 1992, la musique est trop forte, j'arrive à peine à t'entendre. Ah. Ah ouais. Oh, j'avais déjà bien baissé déjà le son. Non, je disais, on voyait en arrière-plan It's Like Boo. Et je me demandais si ça faisait pas référence le Boo à Mr. Boo dans... et la famille Boo dans Fort Boyard. Comme là, justement, en plus, c'est des gros biscottos qui se patatent la tronche. Je me demandais si c'était pas lié, en fait, que c'était peut-être la source originale d'inspiration. Évidemment, j'étais pas passé. Oula, oula, je suis mal placé là. Oula, c'est gangbang là. C'est ma première gangbang partie. Et c'est tout le stade du mari. J'ai honte, j'assume pas cette fille. Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais jamais dû dire ça, mon dieu. C'est dans le show original. Pardonnez-moi. Message de FunFan 1992. Elle est encore trop fort, émoticône triste. Oh, sérieux? Ah, j'en reviens pas. Tant mieux, ça m'a censuré. Oh là 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 là. Terrible ça. Pouk. Pouk. Là, pour le coup, j'ai mis à 10%, vous imaginez? Même quand je diffuse la PlayStation, je ne mets pas aussi faible. Je crois que je reste entre 25 et 33%. Au niveau du son d'entrée. Ok, 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 ok. C'est clair. Mais... La tigresse, je vais la protéger. Yeah. Oh, dommage. J'ai cru qu'il allait faire la troisième. Mais je l'ai lancé trop loin. Ah oui, je me souviens. La base de baseball dans le stade qui a un ascenseur, en fait. Qui mène dans un repère souterrain des méchants. C'était stylé. Oh là là. Non. Ah si, elle peut. Oh bah punaise. Vu le gabarit du Mickey. Oh, hop, hop, hop. Allez. Ah. Oh. C'est arrivé violent. Thank you.
Ah, je me fais avoir à chaque fois qu'il arrive. Non, mais c'est la vitesse du truc, c'est la folie là. On est au 666e sous-sol là. C'est l'antre du diable, c'est pas possible. On n'a jamais creusé aussi profond dans la terre. C'est n'importe quoi. Message de FunFan1992, est-ce que c'est ta Mega Drive avec que tu streams? Non. Non, non. Ma pauvre Mega Drive que j'ai eue adolescent, elle est morte de sa belle mort. Je l'ai faite fumer. Je l'ai vachement utilisée en fait. Elle est morte grillée en fait. Non, non. Là, je suis sur la plateforme que t'aimes pas, mon cher FunFan. Et c'est un émulateur incorporé quand t'achètes le Gigapack Sega Mega Drive avec ses 70 jeux, je crois. Je pourrais vous les faire défiler tout à l'heure, ça vous dit. Ah, je pourrais vous faire aussi des Golden Axe, où j'étais très mauvais les Golden Axe, par contre. Mais j'ai jamais fini le 1 en plus, c'est dire. Et pourtant, je l'ai fait souvent le 1, mais je suis jamais parvenu à finir. Et les autres opus, je crois qu'il y a un 2, il y a un 3, c'est une trilogie Golden Axe. Je crois que j'ai jamais joué en plus, j'ai tout à découvrir. Oh bah je le ferai à l'occasion. Oh, pour cette frappe. Bah alors, je le touche? Même pas. Oh, c'est Mandal. C'est scandaleux. Message de FunFan1992, merci, je reviens, je vais manger à tout de suite tout le monde. Bon app. Abadédé, tous dans le public, on veut la peau de Dédé, Abadédé. Mais pourquoi c'est toujours la phrase de Jean-Jacques Perroni qui ressort régulièrement? J'ai pas fait exprès, le pire, c'est que je dois avoir une trentaine, une quarantaine de citations célèbres, et ça fait quasiment deux fois de suite que c'est celle de Perroni qui sort. C'est dingue! Westbot est truqué. Pardon. Oula, ça se complique là. Là, il y a du bon monde là. Hey, je vois que vous êtes apparemment 6 en direct. Merci à vous d'être là. Parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui diffuse ce soir sur Twitch. Comme c'est la veille du réveillon. C'est vraiment l'ambiance de fête chez tout le monde. C'est cool. Merde, boum. Je voulais évidemment pas tâter avant de ramasser le truc, mais comme j'étais au niveau de l'objet. Pas la transition entre le sous-sol du stade et le navire, enfin bon, j'ai peut-être été assommé, kidnappé et balancé dans un navire, je sais pas. Je ne comprends plus, j'ai pas suivi. Faudrait que je remappe mon propre ralenti là pour essayer de comprendre s'il y a une transition, j'ai pas fait gaffe. Oh! Comment qu'il m'a réceptionné en vol? Ah, le big gredin. Putain, mais il est terrible ce mec. Ah, lui, il sait pas se réceptionner par contre, ce gros ballot là. Ah, bien, il part. Joli. Ah, il part pas tout.
Voilà, le menu portable. Oh, non, non, les monsieur Rocket, je suis pas. Pitié. Enfin, Rocket, là, les fusils d'orsal. Moi, je foutrais bien un coup d'épée. Ah bah, je crois que c'était le cas, tiens. Je veux même pas que je me balance l'épée en plus. Dans ma colère, dans ma rage. Bah alors, je vais sortir de la carte. Ah, le bleu. Voilà. D'ailleurs, je me demande si vous avez même pas le retour son de ma manette quand j'appuie sur mes boutons. Quand je fais ça. De dire ça fait partie du jeu. Hop là. Oula. Oula là, ça saute. Il va se calmer donc à la fenêtre. Merde. Pour le coup, la grenade m'aura bien aidé. Oh, le shuriken qui m'a envoyé le ninja. Alors là, il m'a bien eu. Joli, oh, l'enchaînement coup de sabre et la classe. Allez, allez, voilà, balance tout ton stock. On n'en parle plus. Et c'est dans l'opus là ou c'est dans l'opus 3 où il y a une course poursuite en bateau moteur là. Ou en jet ski, je sais plus, il y a un truc assez stylé sur la mer. Oh là, le bosseur, boxeur pardon, turc là. Ouch. Mr. Beer. C'est un coriace, lui. Lui, c'est un sac à PV à 3 de vie. Merde, c'est lui qui m'a empêché enchaîner, pas moi. Joli, comment le déstabiliser en lui envoyant un coup de pain. Ah, il est terrible ce boxeur. Il est en train de me faire la leçon là. Oh, c'est pas la bonne technique. Pour arriver dans ces derniers, franchement, la couleur de la barre de vie a son importance. C'est souvent la même phrase qui apparaît. Alors, par contre, j'ai pas suivi. Mais... C'est à moi de le choper, pas l'inverse. Allez, on y croit. Il m'aura tenu en respect jusqu'au bout. Il m'a quand même décroché un de ses crochets. Mais c'est pas vrai. Mais non! Je me fais même avoir sur tous les plans, même la rapidité, la honte. German suplex. Merci pour le GG. Par contre, je sais plus si le 2 respectait la logique du 1, c'est-à-dire qu'il y avait 8 niveaux. Je sais plus honnêtement. J'ai trop peu joué au 2 ou au 3 pour m'en souvenir. Hop hop polopo. Merci Bob. Là, j'ai eu l'encouragement. Non. Il fallait me faire bouger sur la plage. Mmh, mmh.
Sur la plage, pas abandonné. Patata, je marron glacé. Je sens que je vais en distribuer toute la journée. Il y en a certains qui vont finir marqués. Oh, ce déplacement ninja. C'est joli. Merde, homme. Oh, j'ai merdé la réception. Là, c'est bien comment il tourne autour pour essayer de te choper. C'est exactement ça dans le judo. Ah oui, là, alors là, ça fait guerre, du Vietnam. L'ambiance, elle est spéciale. Oh, j'ai fait un enchaînement très spécial. Un peu en mode panique, j'avoue. Mais ça s'est avéré payant. Merci Christella. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci pour le relais de chaîne. Ibi. Oh, ça fait fort plaisir. Comme vous pouvez le voir, je suis dans du rétro de la Mega Drive. Si je dis pas d'annerie. Mince, le pire c'est que je t'ai vu brièvement tout à l'heure en ligne, Christella. Tu étais sur de l'appel du devoir Call of Duty, je crois. Si je me trompe pas. Oh, merci. C'est trop gentil, Christella. Merci, c'est apprécié. Ah, je te rends de l'appareil à l'occasion. Ah! J'avais oublié le gros plein de soupe qui fait chalumeau, là. Je me suis fait allumer. Tac, 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 tac. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Je fais pause parce que l'animation, je l'ai moi aussi. Et du coup, je vois plus ce que je fais. Mais c'est bien, ça me permet de boire. Ça m'oblige à marquer une pause et c'est pas plus mal. Parce que j'enchaîne et puis j'oublie de boire. C'est pas bien. Même pour les doigts, c'est une vraie gymnastique et ça fait du bien de relaxer un peu. En parlant de doigts, je ne sais pas si vous avez eu l'info. Enfin, c'est une info qui date de quelques temps. Je vous donne l'anecdote et puis je reprends le jeu juste après. Il y a un colloque de médecins, enfin de scientifiques. Ils ont constaté que la nouvelle génération d'humains là, qui naissent actuellement, on va dire depuis les années 2000, ils ont un pouce un peu plus long et agile que nos ancêtres. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'apparemment, ça aurait été encouragé, c'est une évolution morphologique, de l'usage de nos téléphones et autres appareils digitaux qu'on fait au pouce, ou de la manette de jeux vidéo en fait partie. Et bah en fait, la biologie de notre corps s'adapte à son nouvel environnement. Et les nouvelles générations ont des pouces un peu plus flexibles et plus longs que la normale. Enfin, que la normale, que les générations précédentes. J'avais entendu parler de ça. Et voilà. Faut que j'arrête de faire mon pianiste, moi, comme un idiot devant vous, là. Je vais vous hypnotiser. N'importe quoi. Bon, allez, je reprends. Ah, j'avais oublié le surnom rigolo du gars, gourmand. Et puis la classe, en français, s'il vous plaît, dans le texte.
T'as un fusil en anglais à la base. C'est stylé. Le boss s'appelle Gargantua. Gigol, c'est peut-être le cas, je m'en souviens plus. Ah, la grenade. Non, pas la grenade. Ah, oh, ils sont chiants. Ils me stressent, les gars en moto. Barrez-vous. Oups. Oula. Oula, vite, je veux bien la pomme, là. Je vais mal finir, là. Eh, bah, vite. Oula. 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 Mais, Misswell, elle va se calmer, oui. Ah. Non, c'est déjà 20h. Attends, vas-y. Ah bah, voilà que les niveaux fidélité sont mis à jour à l'arrivée du relais de chaîne. Du coup, c'est un pavé que j'ai limité à 10 personnes. Sans quoi, ça fait un truc de fou. Le pire, c'est que Westboot propose jusqu'à 30 personnes. Mais 30 personnes, j'aurais pas assez de mon écran pour mon signal pour tout afficher. Donc, j'ai limité à 10 parce que sinon, c'est abusé. Oh, ah oui, c'est le bateau de tout à l'heure apparemment, ou la base secrète. Non, non, c'est la base. Enfin, c'est trop bizarre le. Enfin, avec la pleine lune, c'est bon. Putain, mais il est en train de m'en mettre plein à la tronche, ces deux-là. Mmh. Ah bah. Voilà, c'était son dernier cri de vie. Ah, on l'aura entendu. Ah, je peux changer de perso. Ah, c'est pas mal. Allez, on va jouer Max. Ah, c'est sympa ça, je me souvenais pas. C'est très astucieux. Ah, pas con. Je me souvenais pas du tout de ça. Par contre, c'est un gros balourd, la vache. J'ai pas du tout la souplesse de Blaze, la demoiselle. Hein. Oula, faut que je m'adapte. Faut que je m'adapte. Viens par ici, que je t'apprenne des prises de catch. Oui. C'est n'importe quoi. Tac 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 tac. Ah, à plus Christella, pardon, t'y vas. À plus, merci tout plein. Tu continues demain. Ah, bonne info. Ok, je mémorise. Sachant que demain. Ah non, demain j'ai que le matin moi. À moins que tu. Enfin, on verra... je verrai. Mais je mémorise, Christella. Merci tout plein. Pif, pif, pif. Oula! À la vitesse à laquelle il m'est tombé dessus, lui. C'était pas réglementaire, là. C'est pas un ninja, c'est un gros ballon. C'est pas gros bateau. Il est en train de me patater. C'est pas ce que j'avais souhaité. Ah bon, je suis en train de rototer ma poisson. Fraîchement ingéré. Ouais, ouais, ouais. Un perso, une manière de jouer. Lui, il va me sauter dessus, forcément. Ah non, une balance de grenade, évidemment. C'est tellement plus drôle d'être entre les tapis. De... Allez, voilà, c'est ça. Allez, vous. Épuise ton stock. Hein. Mauvais plaisantin. Oh non, mais il y en a combien, là? Calmos. Tiens, viens près de la machine de redatage. Très drôle, ce qui vient de se produire. Ah, ça, moi. Je sais plus où j'en suis. Au niveau des tapis. Oh, une madame. Oh! Wow, madame est électrique. Madame a tenté de m'allumer. Je ne prends pas, madame. Eh oh, il est fini, lui. Ouais. Et retour de Merlin, c'est pas en monde. C'est ça, Bob.
Génial, on voit rien de l'action. Je suis en train de les patater en jouant sur le tapis roulant au sol. Et du coup, vous voyez rien parce que je suis en train de bourriner en répond. C'est n'importe quoi. Oui, y a pas de souci, bien sûr, Olive. Fais comme il te plaira. C'est déjà bien gentil de toi d'être présente sur la chaîne. C'est cool. Oh, je fais pause pour saluer l'arrivée de Raxcarcapac. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Tu vois, je suis sur un classique de la Mega Drive, le second opus de Street of Rage. Oh, je présume que tu connais. Bah merci pour le petit coucou, ouais. Ça fait vachement plaisir. Ah, oh, merci à toi. Patatage en règle ce soir. Donne des marques d'affection, vilain. Alors, j'arrive à le pécho, lui. Brigand. Ah, inspiré du 1, ça doit être assez. Non, pas les mettons de jet. Je les déteste. Non, 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 non. Ah, je l'ai. Et puis là, j'ai pas la souplesse de la demoiselle. Alors, avec lui, je sais pas comment je vais m'en sortir. Sans déconner, je sais pas comment je vais faire. Oh là. Non. Non, mais avec sa fusée dorsale, il irait me faire la prise. Alors que je suis un paquet de muscles. Non, mais c'est abusé là. Ah ah ah. J'avais réussi à le serrer dans l'angle. C'était plutôt à mon avantage. Il avait pas une trop mauvaise portée, le Max là. J'arrive à faire des choses, hein. Ah. On y a cru, mais ça a pas pris. Allez. Oui. Je m'en suis débarrassé. Il est parti sur le casque. Ouais, ça fait plaisir d'avoir la visite spontanée de Scarface. C'est cool. Ah, je me souvenais pas que l'ascenseur montait à la verticale après la diagonale, tiens. J'avais complètement zappé ce passage. Boxeur qui fait pas quoi face au catcher d'ailleurs. Ah là aussi, il y a une belle transition de couleur dans le ciel. Merde. Je vais me faire pétater. Par trois petits gredins. Comme ça. Oh non, je me fais planter par le punk. Mais, vous me bouffez une vie à eux tout seul là. On se calme. Oh, j'ai bien aimé me couper arrière. C'était bienvenu. Mais non, mais il va me planter complètement. Ah, j'allais dire, il a perdu son couteau. Mais non, il en a 50 dans ses poches arrière, lui. Bon, monsieur veste de cuir, hein, vous allez prendre votre retraite parce que là vous me gavez. Allez, oh, voilà, alors là pour le coup je suis pas content, là je le démonte. Allez, zou. Ah, t'as perdu la pêche, Bob, dommage. Oui, c'est les Power Rangers. Oh, non. Oh, puis les deux automates d'un coup. Alors eux ils sont space les robots. La vache, c'est vrai que dans le 2 il y a des robots à foison. Et dans le 3 je crois que c'est encore pire. Oh merde, je les avais oubliés. Attends, j'essaie de m'en débarrasser d'un pour gérer aisément l'autre. Et encore, si je peux. Alors, bras en masse d'armes, là c'est un truc de vicieux. Vache. Oh, je me souvenais pas que je pouvais choper comme ça un robot. Et laisse-moi deviner, quand ils sont hors d'usage, ils tombent, ils deviennent des bombes. C'est ça? C'est ça. C'est sûr. C'est tellement gratuit. Et le jeu, quand même.
Ah, c'était les boss de fin. Ok. Je m'attendais à plus gros après. Oui, merci, Rascar Capac, c'est gentil. Oui, il commence bien à marcher. Bah, tu vois, je suis pas loin de mon inauguration officielle, là, de samedi 1er janvier. Je suis presque aux 50 à remplir les critères de l'affiliation, là, je sais plus quoi. Du coup, ça m'arrange effectivement que ça tombe après le 31 décembre, pour des raisons fiscales, puisque je vais ouvrir mon compte PayPal sous le nom de Sage de Nancy au 1er janvier. Ce qui me permettra après de déclarer plus tard dans mes revenus année plus 1 en ayant un compte à l'étranger États-Unis, puisque PayPal est basé aux États-Unis. Mais ce que je discutais avec Ezer ce matin, au niveau de la fiscalité, il faudra que je prenne rendez-vous au centre des impôts pour poser des questions à un fonctionnaire spécialiste de la fiscalité pour savoir ce qu'il en est. Parce que, certes, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai quelques connaissances, mais j'aimerais être armé de certitudes et les faire valider par un professionnel du domaine. Lui, il va me donner du fil à retordre. Le duel est beau. Le duel est beau. Catcheur contre boxeur, là. Attendez, je vous lis juste après. Une fois que j'ai mis sa correction dans l'entrée de l'hôtel. Voilà, je m'accorde même une petite pause. Tac, 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 t'as une petite référence à la Société des Nations. Bonne ref. Oh, l'ascenseur! Oh, cet ascenseur-là, ça y est, rien de le voir, je me souviens. Va y avoir un enchaînement gangbang de vilains. Je crois qu'il y a encore des robots à un moment dans cette puce vers la fin. Je sais plus quand. Peut-être à l'étage de l'hôtel. Oh! Ah, j'arrive pas à me réceptionner avec autant d'aisance en étant un paquet de muscles. Avec la demoiselle qui est souple, la Blaise qui maîtrise le judo. Elle le fait vachement bien. Attends, je te lirai juste après Christella. C'est juste que j'ai peur de me faire dégommer. Oui, c'est ça. C'est des parpaliers de $100 américains en fait. Comme Twitch est américain. Sous la bannière de Jeff Bezos. Enfin, la bannière de. De Jeff Bezos. Enfin, c'est lié à Amazon, etc. Ah oui. Non, c'est vrai, Twitch est une filière d'Amazon. Donc c'est bien sous le giron d'Amazon qui est la vache à lait, on va dire, de Jeff Bezos. Non, il faut pas que j'attaque comme ça, lui. Lui, il va m'en faire baver, lui. Lui, il va me bouffer 10 vies, je sens. Merde. Pardon. Non, là, je panique, là. Sans déconner, je panique. Parce que... Ouf, faut pas que je le lâche. Viens dans mes bras. Oh, que je te fasse le câlin de la mort. La douce étreinte de la mort. Mortal Kombat, je vais tomber. Je dis n'importe quoi. Je panique. Je sais plus quoi faire. Ah, j'arrive dans la barre de vie jaune, c'est la dernière. Mais le saligo, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Surtout du bleu de chimichou. Hein? Faut dire, il présente bien. Oui! Oui! Non! Oui! Ouh, soulagement! Oh, c'est pas fini! On garde le rythme! Patatage en règle! Venez par ici, bande de vilains, que je vous donne votre correction du jour! Duel de catch! Ding ding ding! 120 kg à ma gauche, 130 kg à ma droite! Et l'autre, il est tombé dans une cuve de rouge à lèvres ou quoi là? Pourquoi il présente rouge comme ça, lui? Ah la vache, il sort de chez Mattel, il est tombé dans la cuve à colorant de Barbie, là c'est pas possible.
Pourquoi il est rouge comme ça, rosé là, il est trop bizarre. Eh, me mets pas des baffes. M'incube de ton cas. Oh, la correction que je lui ai mise. Non, c'est déjà le combat final. Je me souvenais pas que ça finissait aussi tôt le 2. Attendez, c'était le niveau 7 là, non? Je comprends plus rien, je sais plus. Je suis perdu. Oui, c'est ça, pas de bras, pas de chocolat. Exactement, Dragon Sky. Oh, non, le bras droit du boss, il est terrible, le Shiva. Oh là là, le Shiva, c'est 12 ans d'âge. Il te fait des prises interdites, oublier des arts martiaux aujourd'hui. Oh là, lui, il faut que je m'en méfie. Oh ya. Oh ya 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 ya. Il me donne un coup, je lui réponds d'un coup. Il me. Oh, on me fait une prise qui fait mal. Rage. Street of Rage. Yes. No. Oh. Oh, c'est la lutte finale. Tiens, que je te chope par la cravate. Non, c'est le petit gredin qui m'a empêché de mettre une correction au big boss. Ah là 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 là, lèche-botte, il voulait une promotion. Ah, oh, mais il est terrible de saucer la zone. Là, là, on mériterait un mode spécial Matrix où on esquive. Merde, mais j'en ai marre de me faire saucer. Oh, ah oui, il peut se marrer là. Il m'a foutu une mandale de. Il va me zigouiller, je vais rien pouvoir faire. Oh, c'est chiant. Voilà. Bon, continue. Alors, c'est bien, je vais changer de perso. Oui, continue. Alors, je vais prendre qui? Le petit jeune. Allez, Axel. J'ai pas pris Axel. À mon avis, Axel, c'est un bon compromis entre biscotto et souplesse. Voilà. Je me sens déjà mieux. Allez, viens par ici, vite gredin. Que tu prennes ta retraite. Oui. Oh, cette prise de catch. Oh, comment qu'il a tenu par la cravate. Oh, ce non-respect fabuleux. Oh oui. C'est bon. Ah, c'est vrai que c'est une vraie thérapie, ces petits jeux-là. Quand vous avez besoin de vous défouler les nerfs, ça fait du bien. Enfin, quand vous gagnez. Alors, oula, il va falloir que je vous lise. Ah bah, c'était la fin, ouais, c'était vraiment la fin. Merci pour les GG. Alors, j'ai pas fini le 1, par contre, je finis le 2. Bon, ça va. Je me souviens même plus de la fin du 2. Oh, elle est bien ton image, Christella. C'est trop bien. Trop bien, la manette. Ah oui! Eh oui, Adam avait été fait prisonnier. Adam que j'avais joué tout à l'heure dans le 1. Je me souvenais même plus de ça. Donc, c'est pas plus mal que je l'ai pris tout à l'heure. Ça fait. Ça vous là, ça fait cohérent. Sympa les images, ça fait bande dessinée. Alors, je vais profiter du générique pour vous relire dans le chat. Je vais relire ce que j'ai noté. Oh merde, pardon. Je remonte le chat, du coup j'ai mis en pause
la console. Alors attendez, pardon. Légère pause parce qu'il faut que je vous relise. Voilà. Tac. Voilà. Hop, on continue, je vous dis. Je crois que tu peux demander le paiement. Oui, hein, ce que tu m'avais dit, Christella, au niveau des revenus Twitch. Faut pas le dire, fun fan. Ah, pour les petites sommes, honnêtement, je pense qu'il y a une tolérance. Mais par principe. Mais je te tiendrai au courant, Fun Fan, de toute façon, c'est ce que j'en discutais avec SDR ce matin. C'est-à-dire quand j'aurai les infos du trésor public par rapport à comment on doit faire, je vous en ferai évidemment part sur ma chaîne, quitte à d'ailleurs faire une vidéo exprès sur ma chaîne YouTube que je vous déposerai et que tout le monde pourra consulter. Voilà. Est-ce que je vais faire le 3? Alors écoute, j'ai un doute, Christella. Je sais plus si j'ai le 3 dans ma compilation Sega machin. On va vérifier tout de suite, mais figure-toi que j'ai un doute, Christella. J'ai déjà eu la chance de jouer au 3, il y a tout aussi longtemps d'ailleurs, quand j'ai découvert le 2 en même temps. Merci pour vos GG. Hein. Et Bob Morlock, excellent. Ah, c'est terrible. Ouais, bah ouais. Ouais. Non, il faut pas espérer faire richesse sur Twitch. Bah bref, je veux pas lancer le débat, ça m'agacerait. Et de toute façon, c'est pas ma finalité. Moi, c'est de passer un bon moment en votre compagnie et de m'éclater, prendre un peu plus de temps pour moi. C'est pas me forcer parce que c'est un plaisir, mais prendre le temps de m'amuser vraiment. Et la technologie est magnifique et permet de retrouver en ligne des copains, c'est génial. Donc, on s'éclate. Oui, j'ai fini le jeu, Bob. Là, le deuxième opus, je l'ai rincé. Bon, j'ai joué en easy, facile, avec 5 vies par continu. Donc, c'est bien. A plus, Rakaska Park. Alors déjà, bonne soirée à toi, Rakaska Park. Merci d'être venu. C'était super sympa. Et bon 31 à toi. Bon réveillon à toi. Et à très vite. J'aurai le plaisir de te retrouver déjà très probablement sur la chaîne des autres. Quelque part dans les Discord. Et puis, toujours au plaisir de te recevoir sur ma chaîne, bien évidemment. A plus, Cascatac. Ciao, ciao, merci Stéphane. Yep, bonne soirée, merci. Alors, du coup, je vais regarder si j'ai le 3. Très bonne question, Christella. Honnêtement, je ne sais même plus si j'ai dans la compile. Alors, attendez, quick, je zappe le truc. Attendez, on va regarder ensemble. Comment je peux faire la captation de mon machin, là? Oui, hop, on sauvegarde, hop. Comment je peux faire là? Mais non, on résume, j'ai remis le truc, je voulais pas. Main menu, ouais. Comment je peux faire mon bins, attendez. Minute papillon. C'est quelle fenêtre, en fait? C'est pas ça? Ça a pas l'air de marcher. Tiens, c'est bizarre. J'essaie de faire la captation de la fenêtre principale de l'émulateur Sega, mais apparemment il veut pas. Pop. Est-ce que je peux pas trichouiller et faire ça comme ça? Attendez. Tac. Ouais, c'est correct. Je peux vous faire ça comme ça. Moi, je sais pas si... Ouais, si, vous verrez les noms. Vous verrez les noms. Alors, qu'on regarde. Je vais tout rembobiner. Enfin non, on va déjà voir s'il y a le 3 à la suite. Ouais, vous voyez, il n'y a pas le 3 à la suite.
voyez, dans l'ordre, les 71. En 44, j'ai le 1. J'ai le 2 en 45, mais... Bah, on va profiter pour pointer tout ce que j'ai. Je rembobine tout, et puis hop, on remonte du 0 au 71. Clac, 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 clac. Alors, du coup, n'hésitez pas, dans le lot, à mémoriser ou à noter les jeux qui vous intéresseraient que je fasse sur ma chaîne, s'il y en a qui vous inspirent. Bah, déjà, le premier, Altered Blast Beast, pardon, je vous le ferai parce que je l'aime bien, celui-là. Je l'aime bien. Il est balèze, mais il est bien. Alors, Altered Beast. J'ai l'impression d'être un commentateur, là, comment on appelle ça, qui présente une soirée jeux vidéo, là. Alors, les nominés. Altered Beast. Sûrement, Bob. Comic Zone. Il est dur, mais il est très beau, Comic Zone. Crackdown. Je l'aime bien, celui-là aussi. Je le ferai. Echo the Dolphin. Ça, je sais pas si je le ferai. J'accroche pas Echo le Dauphin. Game Ground. Je sais pas ce que c'est. Golden Axe. Je vous le ferai. Je ne suis jamais arrivé à la fin de ce fichu jeu qui est hyper balèze. C'est du Die and Retry, ça. C'est de l'acharnement, Golden Axe. Shadow Dancer. The Secret of Shinobi. Alors ça, c'est le ninja. J'aime bien la saga Shinobi, qui est exigeante aussi. Je vous le ferai possiblement, ouais, le Shinobi. Il y a plusieurs opus, le 3. Shinobi 3, Return of the Ninja Master. Je crois que je connais que le 2, en fait. Ah, je vous le ferai avec grand plaisir. Sonic 3D Blast. Alors, le Blast, je crois que c'est le flipper. Parce qu'il y a le 3D aussi, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder un peu, j'ai un doute. Non, c'est pas le flipper. Il est bien celui-là. Ah, oh, celui-là, je vais me faire une joie de vous le faire. Je l'ai beaucoup aimé. Il y en a plein qui l'ont pas aimé. Moi, je l'ai bien aimé. Il n'est pas évident à prendre en main. Mais franchement, il est bien. Oh, quand j'ai eu la chance de l'avoir gamin en cartouche, celui-là, j'étais heureux. Oh là là, 96. Il est bien celui-là. Pardon, faut que je dise un peu vos commentaires. Tac, 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 tac. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, Sonic, trop cool. Alors, Christella, la plupart des jeux Mega Drive, je meurs toujours au même endroit et comme il n'y a pas de sauvegarde, j'ai jamais vu la fin de plusieurs jeux. Ouais. Bah, d'où, entre guillemets, pardon, l'avantage des émulateurs. Les émulateurs, c'est de la triche, hein. Mais tu peux sauvegarder, figer l'état de ta console et la recharger dans un fichier quand tu veux. Donc du coup, la condition se pose plus. Et moi, ça m'a permis, sans déconner, pardon, je remets mes chaussettes en même temps. Ça m'a permis de réapprécier des titres que je maîtrisais pas gamin. Et puis d'arriver au bout, en fait. Mais c'est de la triche, en fait. Mais c'est tellement confort, c'est cool. C'est sans prise de tête. Qu'est-ce que j'entends? J'ai entendu un truc bizarre dans ma rue. J'espère que c'est pas des excités. Il y a encore une semaine, j'ai un crétin déméché qui a balancé une bouteille sur ma façade. Je vous dis pas la joie de ramasser les morceaux. Bref. Pardon, je reviens à vous. En 96, j'étais plus fils unique. Oh, fan. Dragon Sky, les lutins de Noël sont bourrés, ils sont tombés dans le chocolat. Ouais, ouais. N'en parle pas. Alors, Space Harrier 2. Je sais pas ce que c'est, je connais pas. Vector Man. Oh, je crois que je m'étais frotté un peu, j'avais pas aimé. Alex Kidd in the Enchanted Castle. Je sais pas ce que c'est. Bonanza Bros. Je sais pas non plus. Clunes. Ah, c'est un classique Jar Tetris Puyo Puyo, ça. C'est pas mal. Je sais pas, peut-être qu'un jour je vous en ferai pour papoter avec vous et décompresser. Ah bah, le Puyo Puyo qui dit pas son nom. Dr. Robotnik's Man's Bed Machine. Echo Junior, bah c'est la suite d'Echo le Dauphin. J'accroche pas, vous le savez maintenant. Eternal Champions, je sais pas ce que c'est. C'est du Mortal Kombat là ou du un peu Street of Rage? Eternal Champions. Ça me dit rien du tout. Oui, ok, il se la pète le gars, d'accord, mais ça donne quoi? Mmh.
Je sais pas ce que c'est. C'est plus un Mortal Kombat. Ok, tu connais Christella. Merci pour l'info. Ouais. Fatal Labyrinth. Je sais pas ce que c'est. Galaxy Falls 2. Kid Chameleon. Oh, ça me dit quelque chose. C'est un jeu qui a sa notoriété, ça. Jeu de plateforme. Kid Chameleons. Je sais plus du tout. Ah non, c'est un Tetris? Non, on déconne pas. Ah, j'y ai cru. Si, c'est un Tetris déguisé, peut-être. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en souviens pas du tout. Ah, oh, c'est rigolo l'histoire. Une salle d'arcade, le boss s'est échappé et commençait à capturer les gamins qui perdaient aux parties de borne d'arcade. Oh mon dieu. L'autre, comment qu'il se la pète? Oh 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 oh! Prétentieux! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh bien. Ah, il est très dur, tu dis, Bob? Ah ouais. D'accord. C'est un jeu de plateau où tu peux changer de personnage. Ah, tu connais aussi, Christella. Excellent, mais dur. Bon. Peut-être que je l'essaierai une fois, je sais pas. Je vous cache pas que je suis pas spécialement enthousiaste. C'est Narita Boy avant l'heure. Alors là, j'ai pas vos références, pardon. Ah ouais, ok. Je vois un peu le jar. Ah ouais, 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 ouais. Effectivement. Bon, allez, la suite. Restore. Je sais pas ce que c'est. Sonic Spinball. Le v'là le flipper avec Sonic. Ça, je le ferai de temps en temps, ouais, pourquoi pas. À l'occasion. Super Thunder Blade. Je pense que c'est. Alien Storm, ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas un peu dans le même genre que plus récent, là, qui est libre d'ailleurs. Comment il s'appelle? Abuse. En 5 lettres. A-B-U-S-E. Abuse. Je me trompe peut-être. Attendez que je regarde un peu. Ouais, c'est un peu un shoot them up. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de shoot them up chelou. Ouais, avec des ennemis mutants. Ouais, l'occasion, il faudra que je retienne. Biohazard Battle. Alors, c'est bizarre le nom Biohazard Battle, parce que je me souviens d'un Biohazard hors Resident Evil, évidemment. Mais en jeu d'os de il y a des débuts années 90, effectivement. Ça donne quoi en phase de jeu là? Merci de faire passer l'écran titre. Oh là, c'est complètement délirant. Ah si, c'est un shoot 'em up à la façon Xenon 2, je crois. Ouais, voilà, ça veut tout dire. Ce que je viens de voir veut tout dire. Colon 3, bah, c'est le truc à la Tetris. Decap Attack, je connais pas. Echo the Tide of Time, décidément, c'est un autre opus de Echo le Dauphin. Et SWAT City Under Siege. Comment ça, la cité sous siège? Ça doit être un shoot them up à sa façon, ça aussi. Bon, on zappe. Flicky. Inconnu au bataillon. Ouais, le Sega de la grande époque, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On aimerait voir du gameplay, s'il vous plaît. Je sais pas ce que c'est. Bah, on dirait la logique de comment ça s'appelle, Bubble Bobble. Ouais, il y a un peu de ça apparemment. Ok. Golden Axe 2, que je connais pas du tout en fait. Sonic the Hedgehog, évidemment. Sonic le Hérisson, je vous le ferai. Je crois que je peux prétendre avoir quasiment l'intégrale de Sonic. Ça, je vous le ferai avec grand plaisir. Sword of Vermillion. L'épée de Vermillon. Je connais pas. On verra. Ah, Virtua Fighter 2. Oh, je me souvenais même plus que je l'avais là. Eh ben, je vous le ferai à l'occasion. J'aime bien. Tout ce qui est Tekken et... enfin, en deux contre, enfin, un contre un. En patatage, j'aime bien les arènes. Faut sauver des poussins. Ok, ouais, Christella. Ouais, on voyait le cortège de petits poussins derrière
le héros. Alien Soldier, je crois que c'est un truc de tir ou... Ouais. Gunstar Heroes. Landstalker, The Treasure of King Knoll. C'est pas un petit RPG, ça? Façon Final Fantasy. Oui, c'est étonnant, hein, Bob. Virtual Fighter 2 sur Mega Drive. Ouais, tu rêves pas. Tu rêves pas. Alors, peut-être qu'il trichait un peu, tu sais, avec la Mega Drive. Parce que souviens-toi, quand elle est sortie, la Mega Drive, elle a eu une extension matérielle. Deux extensions matérielles. Elle a eu soit tu pouvais la greffer avec le Mega CD et t'accéder à un autre panel de jeux vidéo un peu plus poussé. Et t'avais le gros de page, je crois que c'était la 32X. Tu la transformais, la Mega Drive qui était une 16 bits, tu la couplais à son extension matérielle à l'emplacement cartouche pour qu'elle devienne la 32X. Et t'avais encore accès à d'autres jeux, alors plus chers à l'époque évidemment. C'était pour les... J'avais pas cette chance. Hein. Mais là, c'était sans déconner pour ceux qui n'avaient pas de soucis financiers à l'époque, parce que ça coûtait une blinde. Et l'extension 32X et les cartouches. Et ça te permettait de faire des jeux plus high-tech, comme apparemment le Virtual Fighter 2. Je pense qu'il trichait, Bob, honnêtement, à ce niveau-là. Mais ça faisait partie de la Mega Drive améliorée, quoi. Et ce qui est dingue avec la Mega Drive... Je zappe parce qu'il se passe rien, c'est nul. Light Crusader, Shining Force, Shining Force 2, Shining in the Darkness, Sonic the Hedgehog 2, là on le fera aussi évidemment, le 3 avec Knuckles en plus, Street of Rage, voilà le 1 et le 2 qu'on a fait ce soir, Wonder Boy 3, Monster Lair, Toe and Jam and Earl, In Panic in Fucotron, là. Bayon Oasis, je sais pas ce que c'est, on va laisser un peu. Bayon Oasis, ça me dit rien du tout. Oui, donc je disais, je pense qu'il trichait un peu en disant que c'est le package de la Mega Drive, parce que c'était l'une de ses deux extensions matérielles, quoi. Avec la 32X, Doom, il rame. Je crois que tu dis vrai, ouais, il y a une adaptation de Doom sur la 32X, et ça mettait à genoux la combinaison des deux machines couplées, ça suffisait pas, quoi. Ouais, mais bon, voilà, c'est des tentatives de... Des tentatives d'adaptation, on va dire, de mise à jour matérielle par rapport au marché, quoi. Ah non! Alors, Virtua Racing, t'en parles mal, Bob. Excuse-moi, mais moi, je l'adorais. Quand il était sorti, il me faisait rêver, le Virtua Racing. Je rêvais de l'avoir. Et... Bah... Je l'ai... Attends, je l'ai quelque part. Je me demande si je l'ai pas dans une compilation sur PlayStation, le Virtua Racing, figure-toi. Je dois l'avoir quelque part. Et j'y ai joué pas mal d'heures. J'aime bien, hein, Virtua Racing. Alors là, je connais pas du tout le jeu. Le monsieur, il pète le feu. C'est bizarre. Pardon, je bois un coup parce que je vous parle, mais ma gorge, ça sèche. Bon. Heureusement que je rends l'antenne dans une... Message de FunFan 1992. Christella dit, je ne sais pas si c'est une extension. J'ai le bloc pour mettre les cartouches de la Master System. Alors du coup, tu me mets dans le doute, Christella. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, aussi, mais on avait la borne d'arcade dans un bar. Le jeu était bien en arcade. Ouais. Oh purée, je crois que j'ai encore vu Virtua Racing ou mon frère peut-être, ouais. Mince, j'étais à la souris. Du coup, j'étais trop oublié, j'ai failli reprendre la manette, moi. Bon, bref, la suite. Dynamite Heidi, Golden Axe Free. Là, par vous contre, pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Bah alors, fun fan. Fini, oui. Les Golden Axe, on vient de voir, j'ai les trois, là, par contre. Ça, je sais pas ce que c'est. Go 051. Je sais pas ce que c'est. Ah, Fantasy Stars. Oh, mais c'est buggé, leur truc. Ils ont bugué l'enregistrement du jeu. Bah, le 3, Generation of Doom. Le 4, The End of the Millennium. Ah! Je l'ai! Alors, je le ferai. Je le ferai la prochaine fois, le 3. Mais je referai le 1 aussi, parce que le 1, ce soir, j'ai perdu. Je suis mort, j'ai joué tous mes continues contre le boss. Et je l'ai pas eu.
Oui, t'as un son pour toi. Et Dragonstone, évidemment. Oui, on est dans une ambiance de cours d'école, oui. Bon, bah c'est bien. Le 3, je le ferai bientôt. La revanche de Shinobi aussi, bah c'est toute la saga Shinobi aussi, j'ai la chance de l'avoir, le ninja. Alors c'est le revanche de Shinobi que je connais bien. Vector, mais il est dur. Vector Man 2. Wonder Boy in the Monster World, Alien Soldier, The Story of Thor. What? Pourquoi j'ai deux fois le même? Bah, c'est quoi ce bug? Bah, mais c'est bugué. Mais vous avez vu? C'est bugué. C'est quoi ce délire? Attendez, si je laisse défiler un peu, j'ai 80. Aïe, 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 aïe. Oui, comme tu dis. Aïe, aïe, aïe. Bah. Attendez, là, il y a une anguille sous roche, là. Bah, c'est quoi ce bazar? Elle est bonne, celle-là. Genre une version corrompue du truc Mega Drive? Ouais, Ali, c'est moi qui t'appelle. Je reverrai ça plus tard. Je vais pas vous enquiquiner avec ça. Dynamite Heidi, Landstalker, X fois. Inconnu. Unkno. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Le retour de suite à French 2. Et le 3 à... C'est buggé. Je sais pas pourquoi, mais c'est buggé. Bon. Je sais pas ce que j'ai fichu. Faudra que je contrôle l'intégrité de mes fichiers. Ah, si, je crois qu'il y a moyen de personnaliser le... Oula, c'est en japonais. Ah, c'est peut-être la version originale japonaise Bark Knuckle. Non? Pourquoi c'est en japonais? Nani? Le célèbre quoi en japonais? Ouais! Non, mais je sais que tu peux personnaliser l'outil... avec ce qu'on appelle le workshop sur Steam. Et je me demande si j'ai pas bidouillé ça il y a longtemps et je m'en souviens plus. Ça expliquerait pourquoi c'est le boxon dans l'émulateur officiel Mega Drive Steam. Knuckle Free. Oui, par Knuckle Free, c'est la version japonaise. Ah bah tiens, il faudrait que je m'amuse à essayer le... Putain, c'est trop bizarre. Bah à l'occasion, on se prend aussi des versions japonaises pour voir ce que ça vaut. C'est bien, ça va faire durer le plaisir. Voilà, voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on reste sur de la Mega Drive? Oh oui, allez. Comme il me reste 20 minutes d'antenne, je rappelle que je vais faire relais de chaîne avec FunFan. Avec FunFan pour. Je sais plus, tu fais quoi ce soir? Shadow. Tu fais Ninja là en. Je sais plus, pardon. Je vais faire le Virtua Fighter, ça me fait plaisir. Je vais lancer le Virtua Fighter. Attendez. Je vais vous. Ah mince, je vais faire aussi. Faut que je me mette à jour dans le. Minute papillon. Non, j'ai fait annuler. Je suis dans la panique de faire vite, de pas vous mettre un vent et puis. Je clique partout avec frénésie et je me plante. Là, c'est bon. Ouais. Alors, il faut que je change mon titre. Il faut que je change ma catégorie. Ah oui, mince. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Alors, Virtual Fighter 2. Yeah. On va finir là-dessus, ça me fait bien plaisir. Je vais essayer de rapidement changer la catégorie avant que mon navigateur ne plante. C'est-à-dire que, hop, qu'à le dire tel un ninja. Ta-ta-da. Attendez, je vais vous lire juste après. Oula, je crois que quelqu'un m'a écrit un pavé. Minute. Attendez, pardon. Catégorie diffusée, chibidi, chargement de la page en cours. Veuillez excuser cette interruption. Musique d'ascenseur, chip chibidi, chibidi-bidou, chip chibidi, chibidi-bidou. Pouk, pouk. Voilà. Message de FunFan 1992, Christella nous quitte.
Ah. Nous allons donc faire éloge funèbre. C'est terrible quand tu dis nous quitte, mais bon, oui, bien sûr, j'ai compris. Je suis taquin, pardon. Bonne soirée, merci déjà pour le relais de chaîne, ma chère Christella. Merci d'être venue, c'était super cool. Si je oui, qui pas est demain... là qui la tequi tequila. Dragon ouh Sky. Là là, tequila. Para, 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 para. Ouh là là, para, 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 para. Oui, qui est là. Boogie Boo, voilà, je coupe le son, bien fait, nah, c'était pas le moment de lancer le son. Merci Christella, oui, bah, avec grand plaisir, t'es la bienvenue. Si je te revois pas demain, bon réveillon à toi. Merci tout plein, bon 31 à toi. A très vite Christella. Oui, j'ai zigouillé le son Dragon Sky parce que là c'était malvenu, pardon. Je me sentais obligé. Je te le remettrai après, t'inquiète pas. Alors attendez que je vous relise. J'ai dû louper des trucs. Oui, t'as tes fidèles canidés. Bien sûr, dont il faut prendre soin. Alors, tu as des versions japonaises. Oui, je sais pas si j'ai plusieurs versions japonaises des jeux. On verra. De toute façon, je refarfourerai tout ça. Je ferai le point et puis youpla boum. Tac, 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 tac. Ça, c'est les pavés automatisés que j'ai programmés dans... oui, merci tout plein, Christella, à plus. Alors, hop là, tac, je remets le son. Allez, je vais te remettre le tequila, mon cher Dragon Sky. Le temps pour moi de naviguer dans les menus. Ça y est, le tequila qui se lance plus. J'ai cassé la machine. Non ? Oulala. Oulala, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. Ah, j'aime bien le ninja. Cage. Cage versus Ray. Voilà, on va se faire un petit quart d'heure de patatage gratuit. Et puis là, c'est même le genre de jeu. Oh, j'ai déjà joué. Oh, il était si mince. Oh, il était si beau. Il sentait bon la noix de coco. Je sentais bon la noix de coco. Oh là là. Ah, tiens, pourquoi il me l'a remis, Wisebot? Je sais que t'aimes pas du tout le verbe collaborer et je te comprends parfaitement. Attendez voir. C'est à la commande avec l'Astérix. Ah, il faudra que je recorrige ça. Il faudra que je regarde à deux fois. Parce que j'avais... Ouais, mais c'est ton rire naturel, FemFan. Oh, je l'avais corrigé une première fois, mais je me souvenais pas que j'avais mis une deuxième fois le terme. Promis, hein, FemFan, je vais vite corriger hors antenne tout à l'heure le verbe que tu n'aimes pas, et tu as raison. Moi, je l'utilise naturellement, mais je comprends. Je comprends que ça puisse choquer. Un point de vue historique. Oula, j'ai pas du tout l'habitude de jouer à... Oh, 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 oh. Comment je lui ai bondi dessus alors qu'elle était... Il a bien fait pour ma tronche. Alors qu'elle était à plat... sur le ring. Troisième manche, oui, on est ex-aequo. C'est bien, ça fait du suspense. Il flash tellement le jeu qu'il est en train de me faire pleurer là. C'est, faut pas être épileptique, je suis désolé. Le coup de la simulation de l'orage, c'est pas très malin de leur part. Putain, ça fusille des yeux ça. J'ai des yeux qui clignotent, arrêtez les gens. Winner. Next stage. Ah. Ding 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 ding. Bienvenue en Chine. Ni hao. C'est comme ça qu'on dit le bonjour en chinois. Ni hao. Oui, c'est en 2D. Ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est avec des sprites. C'est pas la version 3D en polygone. Exact. J'avais même pas fait gaffe en plus. Exact, exact. C'est le Virtual Fighter du pauvre. Mais c'est rigolo.
Donc ce soir, vocale ouverte chez l'ami. Oh l'autre, comment qu'elle se la pète. Ce soir chez l'ami FunFan, chez qui on va se rendre d'ici un quart d'heure par relais de chaîne. C'est vocale ouverte sur son Discord. Et il nous fera du Shadow Warrior. Un vieux FPS rétro où on incarne un samouraï. Un rejeton de l'aristocratie japonaise. Qui étaient les samouraïs. Mais ça me bouffe les yeux le. Là ça y est, j'ai les yeux en feu. C'est pour ça que j'arrête pas de me gratouiller les. C'est pas bien, faut pas le faire en plus. C'est un coup avoir une inflammation. Mais mince, j'ai condamné mon continu. Ah. Ah la vache, le coup de la succession des flashs tout à l'heure, c'était pas bien. L'orage m'a flingué les yeux. C'était trop exagéré leur truc. D'ailleurs, je crois que j'ai changé la luminosité tout à l'heure pour essayer de progresser hors antenne dans Killing Time. Et je suis pas revenu à ma version adoucie là. Attends, j'essaie de mettre la correction à la demoiselle chinoise. Oh la belle prise qu'elle m'a faite. Et puis je vais changer la résolution de mon écran histoire de. La résolution. La luminosité. Pour arrêter de me fusiller les yeux. Parce que là c'est trop clair pour moi. Merdoum! Encore un ex-echo. Même pour le restant de la soirée, ça va être plus agréable pour moi de suivre le direct de FunFan tout à l'heure. En ayant un contraste et une luminosité moindre. Allez, à l'usure, je peux la voir. Enchaîne. Ninja! Mais elle va m'avoir à l'usure, la peau de vache. Allez, vilaine. Viens, par ici, prends ta correction. Ta correction du jour. Oui, tu vas tomber du ring, tu vas tomber. Non. Elle m'a eu. Oh là là! Oh là là! Voilà, observez les barres de vie. Vilaine. Alors attendez, tant pis si je perds mon continu, je vais immédiatement changer le mode d'éclairage de la dalle graphique de mon téléviseur, parce que là je vais finir en PLS d'ici une heure. Voilà, oh, je me sens mieux. Ah, oh, ça pique moins les yeux. Excusez-moi. Arcade, allez go, je vais faire un autre perso. Oui, fail. Oh, il a l'air pas mal, Wolf. Je connais pas. Je vais essayer. Le Virtual Fighter malgache. Alors, concentration. KO. Oh là là. KO et éjecté. Oh, the ring. Merde. C'est vrai qu'il y avait deux touches sur la Mega Drive. C'est marrant d'ailleurs, j'ai pas instinctivement pensé à les tester sous Street of Rage, tiens. Je sais plus si ça déclenchait des trucs. Je montais à trois boutons, mais. Il y en avait six en fait sur la Mega Drive. Faudrait que je revoie. Bon, on leur fera de temps en temps. Come back again. Yeah. Try next stage. Oh, une belle blonde, c'est Sarah. Oh, ce plaquage au sol. Oh, oh, oh. C'était totalement gratis. Oui, je sais pas si tu m'entends encore, FunFan, avant que tu prépares ton antenne. Tu seras pas surpris que je participe tout de suite à ta vocale. Puisque je vais préparer mon miam, moi. Tu penses bien que j'ai pas encore dîné. Je pense que je vais me faire aussi une pizza ce soir, ça sera facile. Et je pense que je vous rejoindrai au bout de trois quarts d'heure dans la vocale, ou le temps que ma pizza chauffe. Je ferai déjà un rapide petit coucou.
Wally Walou. Oh non. Oh la bêtise. Bien vu. Oh la bêtise. Surtout ne pas être aérien sur le bord du ring. Ça pour le coup c'est totalement logique. Évidemment je ne connais pas les combinaisons de touches à faire, donc j'appuie comme un imbécile sur toutes les touches en espérant que ça marche. Voilà, ça donne un peu n'importe quoi par moment. Ah! Oh le jeu de jambes! Oh là 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 là! Bah dis donc, si je peux l'incarner tout à l'heure, ça, avant de rendre l'antenne, je vais essayer rapidement. Ah ouais, ouais, où était le challenge? Comment c'est la pète? Vas-y voir que j'abandonne mon continu. Ouais, je vais tout de suite incarner Sarah. Elle m'en a mis plein la vue. Je veux incarner Sarah. Alors, elle est où la demoiselle? Ah bah elle est avant-dernière dans le... dans la sélection. Elle est redoutable, mademoiselle. Ce jeu de jambes. Les points aussi, elle est pas mal. Oh là 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 là. J'avais en tête une autre version. Là, même pas besoin de 32X. Ouais, la version à polygone, mais je la connais aussi, Bob. Ouais, Sarah Connor, j'y pensais aussi, mais j'ai pas osé la faire. Merci, Bob, d'assumer pour moi. J'ai un souci technique, mais ça va revenir dans quelques minutes. Oh merde! Déconne pas. Tu peux pas lancer tout de suite ton direct? Bah tiens-nous au courant via mon antenne, FunFan. N'hésite pas. Moi je peux jouer un peu les prolongations, hein, ça me dérange pas. Oh là! Les chamisseurs, Jimel, Messi, le signe des gemmes. Daddy, 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 daddy. Je sens que cette coupe va être ballot. Oh! Round 2. C'est vrai que j'ai un mal de chien à m'adapter au perso, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire comme combinaison. C'est le genre de jeu qu'il faut vraiment prendre le temps de maîtriser. Il y avait un jeu de patatache comme ça, mais je sais plus quel support. Je crois que moi j'avais pas joué sur PlayStation. Ah c'était sur PlayStation. La 1 ou la 2. Il y avait un jeu de patatache comme ça qui était vachement bien. Mais j'ai plus du tout souvenir du nom du jeu. Oh, 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 oh. Comment qu'elle m'a allumé d'entrée de jeu la chinoise. Oh là là. De toute façon, quand tu vas lancer ton direct FunFan, j'aurai la notification, donc je vais. Enfin, tiens-nous au courant, hein, évidemment. Mais normalement, j'aurai l'alerte d'un coup d'œil de l'écran secondaire. Et je pourrais savoir quand je pourrais faire le relais de Shen. Bon, elle vient de me patater joyeusement. Il faut que je me reconcentre sur le duel. Oh la vache, dur. Oh! Cette... Oh là là! Oh là là! Elle enchaîne! Allez! Je ne suis qu'un sac de riz. Allez, vas-y. Appelez-moi Bernard Kouchner. Appelez-moi Bob Morlock. Ah! You should love the spirit of Kung Fu, not just Thai. Yeah. Ah. Je mange des bergas. Miam. Ah, t'as des bergamotes toi dans le sky? T'as bien raison. On va réfléchir par rapport à ma monnaie de chaîne, du coup. Et du coup, je suis beaucoup plus concentré sur ce que je fais.
Ah, bien, Dragon Sky. Dragon Sky, un homme qui a du goût. Ah, je fais de mon chauvin, évidemment. Je défends ma confiserie locale. Oh, cette prise de catch. Oh, yeah. Ding, ding, ding. Oui, Bonap en confiserie. Message de FunFan 1992. Mon problème technique est réglé, je vous dis à tout. Ah, pardon. T'as eu la chic coupée par mon coucou. Oui, donc mon problème technique est réglé, je vous dis à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà ce que nous dit FunFan. Oui, à tout de suite, mon cher FunFan. Vas-y, lance ton signal. Et puis, oh, joli Bob, à force de défendre la confiserie, on chope une tête de cake. Veuillez déguster mes pensées les plus sucrées. À défaut d'avoir du sel. Allez. Oh non. Non. Je pensais faire un enchaînement. La vilaine, elle m'a eu. Ouais, c'est cool. On va faire le raid chain dans même pas une minute. Bah d'ailleurs, j'ai perdu. Je vais le programmer tout de suite. Alors, touc, 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 touc. Est-ce que je peux... Oui, je peux faire comme ça normalement. Pardon. Alors, minute papillon. On va changer de plan. Ah, il faudrait que je programme mes changements de scène en touche automatisée, moi. Ça ferait vachement plus pro. Il faut que je pense à ça dans les 24 heures. Poc, poc. Poc, 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 poc. Ta-da. Ah, c'était cool. Merci à toutes et toutes d'avoir été présents. Merci FunFan pour ta modération, ta présence. Merci à tout le monde. Merci encore à Christella pour le relais de chaîne. C'était adorable. C'était adorable. Ça m'a mis en joie alors que j'étais déjà en joie. Donc je suis resté toute la soirée en joie. Vous voyez, je suis déchaîné. Je suis déchaîné comme un gosse. Un vrai gamin. Je vous dis, depuis le début du direct, j'ai 10 ans, là, ce soir. J'arrive même plus à me tenir correctement. N'importe quoi. C'est magnifique. Les madeleines de Liverdun. Aussi, c'est bon. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas dégusté. Tu me donnes envie, sacré Dragon Sky. Ah, c'est vrai que c'est délicieux. Ouais, ouais. Délicieux. D'ailleurs, les vraies madeleines de Liverdun, pour qu'elles gardent leur fraîcheur et leur onctuosité, elles sont emballées dans des sachets individuels. Mais forcément, conditionnement de luxe oblige, le tarif suit. Merci à vous toutes et tous, prenez soin de vous, bonne soirée, on bascule chez FunFan d'ici quelques secondes. Bon 31, bonne Saint-Sylvestre à tout le monde si je vous vois pas. Voilà, prenez soin de vous, moi je reprendrai l'antenne demain matin, vers 9h-10h. Je sais pas ce que je ferai, je verrai. Au plaisir, ce sera 100% plaisir les copains. Merci à vous, prenez soin de vous, bon app si vous êtes à table. Oh, je vais aller chauffer ma pizza. Pizzouille, pizzouille, pizzouille. Le raid va se faire dans quelques secondes. Je sais plus quoi dire, quoi faire là. Panique. Oui, c'est fini. Je peux prendre congé. Oh mon dieu. Merci d'avoir été là. Ceux qui regardent sur YouTube, bisous tout plein. Merci, ça va être vite archivé, comme d'hab. Stop streaming. Stop streaming. Shut down. On arrête tout. Arrête l'enregistrement. Arrête, oui.